L'âme enflammée par la gêne. Eti ulimi ni moto ulimwengu wa uovu. Katika viungo vyetu ndio ulimi unaochafua mwili wote na unawasha moto kwa maisha yetu katika dunia, na moto wenyewe umewashwa kwa jehanam. Bénis ta parole, Père céleste. Viens vers nous ce matin dans l'adoration de la sanctification. Viens nous laver ce matin, nous rendre plus purs. Vraiment. Nous rendre plus blancs. Alléluia. Nous amener à la sainteté comme tu es saint. Amen. Surtout que tu n'as jamais échoué. Béni soit ton nom pour la parole de ce matin. Alléluia. Viens à notre secours, à notre faiblesse, pour que nous soyons comme toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Seyons-nous. Tukai. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom, man. Shalom. Nous avons un sujet. Tunayo somo. Qui parle de la langue. Nayo ongelea ulimi. La langue. Ulimi. La langue. Ulimi. Qu'on a dit. Il y a c'est moi. La gêne dans le corps humain. Wamba ni jehanam katika mwili wa mwanadamu. La gêne dans le corps humain. Jehanam katika mwili. La langue. Ulimi huu. La gêne. Jehanam. Dieu a placé la langue dans le corps humain. Mungu aliweka ulimi katika mwili wa mtu. Avec tous les autres membres du corps. Pamoja na viungo vingine vya mwili. Il a placé plusieurs membres sur le corps humain. Akaweka viungo vingi kwenye mwili wa mtu. Mais aucun membre du corps humain qui a porté le nom de gêne. Katika viungo vyote hivyo hakuna hata kimoja kilichobeba au kikatoa jina la jehanam. Sauf la langue. Isipokuwa ulimi tu. Les yeux. Macho. Les pieds. Miguu. Le nez. Pua. Les oreilles. Masikio. Tout ce que vous savez. Vyote mjuavyo. Mais de tous ces membres. Bali katika viungo vyote hivyo. Il y a une bombe atomique. Kunayo bomu atomiki. Que Dieu a permis qu'il soit sur nous. Ambaye Mungu aliruhusu iwe juu yetu. Qui suffit seulement pour nous exploser sans passer par les autres membres. Yatosha tu kuturipua viungo vingine vyote. C'est la seule bombe atomique Dio, que Dieu a voulu qu'elle soit sur le corps humain. Dio bomu moja atomiki ambayo Mungu aliruhusu iwe kwenye mwili wetu. La langue. Ulimi. Le but de ce sujet, na lengo la shaba, la somo hili, c'est de parler des dangers de la langue. Ni kwamba tuongelee hatari ya ulimi. Les différents noms que la langue porte dans la Bible. Majina mbalimbali ambazo ulimi zinazo katika Biblia. La plusieurs mauvais noms. Ulimi huu una majina mengi mabaya. Et chaque nom correspond à son danger. Na kila jina la ambatana na hatari yake. Après avoir parlé de ça, unapokwisha ongelea hiyo, on va parler des péchés que la langue elle seule est capable de mettre dans l'homme. Tutaongelea zambi ambazo ulimi waweza tia juu ya mwanadamu. Après, kisha pourquoi les gens échouent la maîtrise de la langue? Sasa kwa nini watu wanashindwa kuchunga ulimi wao? Pourquoi les gens échouent? Kwa nini watu wanashindwa? Après, kisha, on va voir tutaona. Comment puis-je maîtriser ma langue? Kwa hiyo, naweza chunga ulimi wangu namna gani? Comment puis-je la dompter? Namna naweza kuusitiri? Jacques est en train de dire, Yakobo yuko akieleza, l'homme est capable de dompter tous les animaux de la terre. Ya kwamba, mwanadamu anaweza kafuge wanyama wote wa duniani. Le crocodile. Mamba peut le garder à la maison. Anaweza kaichunge nyumbani. Il ne fera rien. Haitamzuru. Le lion. Simba. On peut le dompter.
Tanaweza kaifuge. Le léopard. Chui. On peut les dompter. Tanaweza kaifuge. L'éléphant. Tembo. On peut les dompter. Tanaweza kaifuge. Mais il dit la langue. Bali akasema kuwa ulimi. Personne ne peut la dompter. Hakunawezaye kufuga. La langue. Ulimi. Personne ne peut la dompter. Hakunawezaye kuchunga. Et s'il dit que personne ne peut dompter la langue. Cela ne veut pas dire que personne ne peut être fort à maîtriser la langue. C'est-à-dire que même ceux qui réussiront auront fourni trop d'efforts. Fanya nguvu nyingi. Pas qu'on ne peut pas, si kwamba haiwezekani, mais c'est difficile. Bali, ni vigumu. Faites attention avec une chose que la Bible elle-même dit qu'elle est difficile. Mufanye hange na jambo ambalo Biblia yenyewe inasema kwamba ni ngumu. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe, dans la Bible, katika Biblia, il dit anasema, personne. Hakuna yoyote. Mais pour nous encourager, lakini kwa kutuhimiza, il change la parole. Anabadilisha maneno. Il dit anasema, nous branchons de plusieurs manières. Eti tunajikwa katika mambo mengi. Comme pour dire, nous avons plusieurs faiblesses chacun de nous. Sema kwamba, kila moja wetu ana madhaifu mengi. Mais il dit ceci, lakini anasema, mais celui qui est capable de maîtriser sa langue, eti bali yule awezaye kuchunga. C'est un homme parfait. Donc pour dire que l'enseignement sous la maîtrise de la langue fait partie du programme de la perfection de l'Église. Parce que la Bible dit, seul l'homme parfait peut maîtriser la langue. Donc quand le prédicateur apporte la prédication sur la langue, il appelle les gens à maîtriser la langue, il pousse l'Église dans le programme de la perfection. Le croyant qui entre dans l'Église, tu négliges la prédication sur la maîtrise de la langue, ne sera jamais parfait dans la vie. Il peut avoir un ministère, il peut avoir des dons, il peut prier pour vous, vous êtes guéri, il peut prêcher très bien, mais tant qu'il n'a pas encore maîtrisé la langue, il ne sera jamais parfait. Et il dit que celui qui ne maîtrise pas la langue, sa religion est vaine. Donc parmi les bons indicateurs de celui qui a reçu la bonne religion, parmi les indicateurs d'une bonne église, parmi les éléments qui indiquent quelle est la meilleure église où il faut aller, katika mambo ya onyeshayo kanisa ambalo mtu anaweza kaingia ndani, cette église-là qui parle de comment maîtriser la langue, hilo kanisa liongelea lo kuhusu namna ya kuchunga ulimi, parce que sababu il dit anasema, si quelqu'un croit être religieux, kwamba mtu akizania kuwa anadini, ça c'est Jacques 1:26. Hapo ni Yakobo moja. Si quelqu'un croit être religieux, kwamba mtu akijizania kuwa wadini, sans tenir sa langue en bride, bila kujua kuchunga ulimi wake, mais en trompant son cœur, bali akidanganya moyo wake, la religion de cet homme est vaine. Ni ya mtu yule ni ya ovyo. Oh, je suis du message de Branham. Oh, je suis protestant, catholique, je ne sais pas ce que vous êtes. Laissons les débats sur à quelle église tu appartiens. Laissons les débats sur à quel tabernacle tu adores. Est-ce que tu as déjà appris comment maîtriser la langue? La religion de cet homme est vaine. S'il n'est pas capable de tenir en vide sa langue. Donc c'est comme pour dire, l'église dans laquelle ce monsieur ou cette femme adore est zéro. Donc on peut facilement apporter l'opprobre sur son église à partir seulement de la façon dont on gère sa langue. La religion de cet homme est nulle. Alors,
Imaginons-nous. Sasa tujiulize. Les versets qu'on a cités. Shairi iliyotajwa. Ouvrez encore vos Bibles. Fungueni tena Biblia. Revoyez quelques mots dedans. Tuchunguze kitu mle ndani. Qui sont très importants. Ambavyo ni vya lazima. J'ai passé une mauvaise semaine. Nilipitisha juma mbaya. Dans la méditation sur ça seulement. Nilipotafakari kuhusu haya tu. Oui. Ndio. Ça je vous l'avoue. Hiyo ninawaambia kweli. Vous avez vu que le samedi je devais prêcher là-dessus. Niliwaambia kwamba Jumapili siku ya posho iliyopita nilikuwa sabili. On a parlé de quatre choses à maîtriser. Tukaongelea kuhusu mambo mane ya kushika. Et quand Jésus arrivait quelque part l'esprit a dit stop. Nilipofika nafasi fulani roho akanikataza. La langue sera prêchée notre jour. Ulimi utahubiriwa siku nyingine. J'ai passé une mauvaise semaine. Nilipita katika juma baya. Je disais si quelqu'un peut être croyant. Nikasema mtu akifikia kuwa mwamini. Échoué de maîtriser sa langue. Na ashindwe kushika ulimi wake. Donc il a tout perdu. Ni kwamba amepoteza vyote. Et ses efforts. Na yake. Et ses jeûnes. Na mafungo yake. Et ses prières. Na maombi yake. Et ses dîmes et offrandes. Zaka na chakumi yake. Et tous les efforts qu'il a fournis, nguvu zote alizotumia, il entre en enfer seulement à cause de la langue. Anafikia kwenda motoni sababu tu ya ulimi. Curieusement, Ida. Un membre qui est collé à nous, kiungo kilicho juu yetu. Imaginez-vous. Jiulizeni. Lisons un peu. Tusome kidogo. La langue est un feu. Kwamba ulimi ni moto. La langue, ulimi huu, est un feu. Kwamba ni moto. La langue, ulimi, c'est le feu. Ni moto. Elle peut brûler toute une église. Laweza unguza kanisa lote. Elle peut brûler toute une famille. Yaweza choma jamaa yote. Elle peut brûler tout un foyer. Yaweza unguza jamaa yote. Elle peut brûler tout un pays. Yaweza unguza inchi nzima. Elle peut attiser l'incendie. Yaweza chochea ajali. Et le lendemain, vous cherchez là où les choses étaient, elles ne sont plus, elles ont été consumées. Unatafuta kwenye mambo yalikuwa hutayaona maana yaliunguzwa. Combien d'hommes se séparent avec leurs femmes à cause seulement de la bouche. Na utaona waume na wake wanatengana sababu tu ya ulimi. Combien d'églises sont divisées, séparées à cause de la bouche. Makanisa ngapi yamegablikana na kutengana sababu tu ya ulimi. Combien d'amis sont séparés seulement à cause de la langue. Marafiki wangapi wameachana tu sababu ya ulimi. La langue est ulimi un feu. Ulimi huu. Est un feu. Ni moto. Il continue. Anaendelea. C'est le monde de l'iniquité. Ni ulimwengu wa uovu. Quand on cherche l'iniquité, utafutapo uovu, ne cherchez pas ça très loin. Usitafutie mbali. Elle est dans vous par la langue. Uovu uko ndani yako kupitia ulimi. Le monde de l'iniquité. Kwamba ni ulimwengu wa uovu. Donc ce qu'on appelle le mal, kwamba kinachoitwa ubaya, c'est dans la langue. Ni katika ulimi. L'iniquité, uovu, dans la langue. Katika ulimi. On continue. Tunaendelea. La langue est placée parmi nos membres. Ulimi ni miongoni mwa viungo vyetu. Suyant tout le corps. Ukichafua mwili wote. Tout le corps essuyé unachafuka par la langue. Na ulimi. Ce n'est même pas par les yeux. Si kupitia macho. Curieusement. Jida. Suyant tout le corps. Ikichafua mwili wote. Donc ta langue, kwamba ulimi wako, essuie tout. Waweza chafua yote. Juu yako. Donc nous avons un élément souillant dans nous. Kwamba tuna jambo la kuchafua ndani yetu. Et l'église qui ne veille pas sur la langue, kanisa lisilokesha juu ya ulimi, peut facilement être souillé. Laweza chafuka haraka. À cause de la langue. Sababu tu ya ulimi. Souillant. Ukichafua. Tu lances un mot à ton frère. Unapo tamka neno kwa ndugu yako. Tu l'essuies. Unamchafua. Tu lances un mot à ta sœur. Utamkiapo dada yako neno. Tu troubles tout son être. Alléluia. Unavuruga hali yake yote. Tu le décourages. Unamkatisha tamaa. Et carrément. Hapo anavunjika moyo. Alors qu'il n'a pas été frappé de fouet. Wakati wote hakupigwa fimbo. Un seul mot. Kwa neno moja tu. Chiu. Chiu. Comme la flèche. Kama mshale. La personne dit, mtu anafikia kusema, je regrette. Ole kwangu. Je regrette. Najuta. Ce qu'il me dit. Kwa yenye kuna amenambia. Me brise le cœur. Imenivunja moyo. Un seul mot. Kupitia neno moja.
Mes chères sœurs, sasa dada zangu, quand vous parlez à vos époux, wakati munaponena na waume zenu, mieux vaut se taire que de parler. Ni heri unyamanze kuliko kusema. Mes chers frères, wandugu wapendwa, mieux vaut ne rien dire que de dire ce qui va choper. Ni heri usiseme neno kuliko kusema itakayo kwaza. Même si ce sont des vérités. Hata kama itakuwa kweli. Il y a certaines vérités qu'il faut décider de taire que de les dire. Kweli nyingine ambayo yabidi mtu kunyamaza kuliko kuisema. Ne tombe pas dans l'erreur. Usifikie kufika mkosa. Mimi nakuwa kinyowazi. Mimi nakuwa kinyowazi, je suis bouche ouverte. Moi je parle toujours. Mimi nasema katu. Non. Kitana semwa mke. Shuka kidogo. Sema kidogo. Ne crois pas que tous ceux qui se taisent n'ont rien à dire. Usizani ya kwamba wote wasionena wanakosa ya kusema. Luya! Amina! Non! Apana! Amina, sema tu! Moi je vais parler! Après avoir parlé, unapokwisha sema, le lendemain, kesho yake, on te fait porter le poids de tout ce que tu as dit. Inakuletea mzigo on, on te fait porter le poids de tout ce que tu as dit. Unabebeshwa mzigo wa yale ulinena. Commence à dire pourquoi je l'ai dit. Unaanza juta na kusema kwa nini nilisema hivyo. Les gens vous disent pourquoi tu l'as dit. Na sasa kwa nini ulisema. Et les gens vous disent. Na watu wanakuambia. Est-ce que c'était nécessaire de le dire? Je ilikuwa ya maana kusema. Tu commences la repentance. Unaanza tubu. Pendant que celui qui sait tu n'as rien à se repentir. Alors qu'il avait ça dans lui. Alinyamanza hana vya kutubu wakati yote anaye alikuwa na ulimi wa kusema. Alikuwa nabio. Ndio. Me hakubisema hata tubu. Mm. Wewe mwenye ulisema utatubu. Amina. Luya. Amen. 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 Suya tout le corps. Enflammant les cours de la vie. Mon Dieu, pitié de nous, pitié de l'Église, pitié de tout le monde. Enflammant les cours de la vie. Iki washa. Iki haribu mwenendo wote ya maisha ya mwanadamu. Ndio. Mungu hurumia kwa sababu. Donc en d'autres termes, kwa maneno mengine, la langue est capable. Ulimi unawezo. Celui qui avait une trajectoire bonne. Mwenye alikuwa na mwelekeo mzuri. Celui qui avait un bon avenir. Mwenye alikuwa na siku za usoni njema. Celui dont le cours de la vie. Mwenye safari yake était bon. Ilikuwa nzuri. La langue capable de tout trancher. Ulimi unawezo wa kukata yote. La langue capable de tout amorcer. Ulimi unawezo wa kukata yote. Changer automatiquement votre cours. Na kubadilisha maisha yako. Changez automatiquement votre cours. Ina badili maisha yako. Changez automatiquement votre cours. Ina badilisha mwelekeo yako. Et tout détruire. Mambo yote yana. Quelqu'un vient te fiancer. Ulipaswa oa. Quelqu'un vient te fiancer. Mtu anakuja kuchumbia. Il a vraiment de l'espoir que vous serez bien. Anatumaini ya kwamba utakuwa mzuri. Dans votre fiançaille. Katika uchumba wenu. Vous lancez seulement un mot. Unam tamkia tu neno moja. Il intercepte. Analinasa. Il coupe. Anakata uchumba. Fiançaille coupée. Uchumba una à cause des mots que tu as lancé le cours de la vie est changé. Ya neno moja tulitamka inamfikisha kubadili mpaka. Alléluia. Amina. Quelqu'un te visite. Mtu anakutembelea. Au lieu de lui parler de bonnes paroles. Kuliko kumuongelesha maneno mazuri. Tu commences à critiquer. Unaanza teta. Il se retire. Kwa hiyo anajizuiza. Et quelqu'un qui allait être utile à toi dans la vie. Kuna mtu ambaye angekufalia maishani. Quelqu'un qui pouvait t'aider un jour. Mtu ambaye angewezaka kusaidia. Comme il vient de trouver que tu es critiqueur ou critiqueuse. Hivi amekutambua kwamba kazi yako ni kutetana. Il se retire. Kwa hiyo anajizuiza. Commence d'autres amitiés avec d'autres gens. Tafuta urafiki na watu wengine. Celui qui pouvait t'aider dans la vie, il se retire de ton. Mwenye angekusaidia kama maisha anakuepuka. La langue. Kupitia ulimi. Changer tout le cours de la vie. Et inabadili maisha yote. Alléluia. Amina. Donc, ni kwamba, donc, kwamba, en tout cas, kweli kabisa, la langue, ulimi huu. Non. Apa. Tout le cours de la vie. Inabadili maisha yote. Quelqu'un qui pouvait être ton ami. Mtu ambaye angekuwa rafiki yako. Il te donne un secret. Anakupasha siri. Il te dit garde-moi ce secret. Anakuambia ndugu dada nichunge. C'est entre moi et toi. Ni kati yangu na
wewe. Tu les mets dehors. Unaweka nje. Changement de toute la situation. Kwa hiyo anabadili hali ya kuishi na wewe. Il te dira rien. Hata kuambia kane. Il te responsabilisera rien. Hakuna siku atakuwekea tumaini. Changement de tout. Vyote vinabadilika. Moi je lui ai dit seulement. Mimi nilimwambia tu. Que j'allais faire ça. Ya kwamba ningefanya hivi. Que j'allais travailler avec lui. Ya kwamba ningetumika naye. Dans mon magasin. Duka langu. Et maintenant, sasa, il est allé dehors. Ameenda nje. Il est allé propager. Ameenda kutawanya. Qu'il allait être mon gérant. Ya kwamba ni yeye atachunga mali yangu. Maintenant, je commence à recevoir des coups de téléphone. Sasa ameanza pokea simu. Que je vais ouvrir. Ya kwamba nitafungua. Un marché à Nairobi. Un magasin à Nairobi. Duka huko. Qui a fait sortir ça? Nani alifikisha habari? Au lieu d'ouvrir à Nairobi, kuliko kufungua Nairobi, il ouvre à Kampala. Anaanzia Kampala. Il prend un autre gérant. Anatoa mlinzi mwingine. Tu sais à qui tu as dit que tu allais être leur gérant? Wale wote ambao uliambia kwamba utakuwa mtu wake wanangojea wanakosa. Tu vas aller au jeune chômé. Unaenda kukosa kazi. Cause de talent. Sababu ya ulimi wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La langue. Ulimi. La langue. Ulimi. Tu t'assois avec quelqu'un. Unaka na mtu. Tu dis. Unasema. Moi. Mimi. J'aimerais. Ningependa. Que tel soit mon ami. Kwamba fulani awe mwenzi wangu. Toi tu sors. We unatoka. Tu lui dis. Unamwambia. Tel veut être ton ami. Fulani anataka. Mais il est méchant. Lakini ni mkali. La langue peut détruire aussi les cours de la vie des autres. Kwamba ulimi unaweza pia haribu maisha mema ya wengine. Pas ta vie seulement. Kupitia maisha yako tu. Elle peut détruire les cours de la vie de quelqu'un. Yaweza haribu na maisha mazuri ya mwingine. Un garçon et une fille se sont déjà aimés. Sorry. Un garçon et une fille se sont déjà aimés. Kijana na binti wanapendana. Toi tu en sors. We unatoka. Tu parles au garçon. Unasema na kijana. Pourquoi vous précipitez dans des choses? Una kuwa haraka mumambo juu ya nini? Demande-moi. Si ungeniuliza. Moi je connais tout ça. Mimi najua hayo yote. Le garçon se retire. Kijana anajirudia. La fille attend. Binti anachunga. C'est déjà brisé. Kumbe. Et la fille n'a aucun problème. Na binti mwenyewe hana shida. Et le garçon n'a aucun problème. Kijana naye hana tatizo. Peut-être même que le pasteur était déjà informé. Huenda na mchungaji alikuwa amepata habari. Et que c'était dans la vraie procédure. Na vilikuwa katika njia nzuri. Ça se brise. Binavunjika. Et le pasteur va dire, qu'est-ce qui est arrivé? Mchungaji atajiswali, nini litokea? Le garçon a été visité par la langue. Kwamba wachumba walitembelewa na bwana ulimi. Et le cours de la vie est totalement brisé. Na maisha yana haribika. Et la Bible continue. Na Biblia endelea. Enflammant le cours de la vie. Eti iki haribu maisha yote. Étant elle-même enflammée par la jehanne. Na yenyewe ikiwa inaharibishwa na jehanam. La langue elle-même, ulimi wenyewe, elle est enflammée par la jehanne. Nayo inaharibiwa na jehanam. Vous marchez avec la jehanne dans vous. Unatembea na jehanam ndani yako. On n'a pas besoin de vous jeter dans l'enfer pour avoir fait autre chose, mais votre langue elle-même, c'est ça l'allumette, c'est ça le carburant. Hautapelekwa jehanam na kitu kingine au na mtu yeyote, bali ulimi wako mwenyewe ni mafuta ya kuwasha moto. Shalom. Shalom. Souvenez-vous. Mukumbuke. Votre langue. Ulimi wenu. C'est l'allumette. Kwamba ni kibiriti. Souvenez-vous. Mukumbuke. Votre langue. Ulimi wenu. C'est l'essence. Ni mafuta ya kuwasha moto. Amen. Amen. Si on allait avoir des foyers. Kama kungelikuwa unyumba. L'homme maîtrise sa langue. Kwenye mume anachunga ulimi wake. La femme maîtrise sa langue. Mke naye anachunga ulimi. Même certaines choses qui veulent embrouiller dans le cœur. Hata kama kuna mambo ambayo angemvuruga moyoni. Elle fait tout. Ayachunge. Ne pas le faire sortir dehors. Asiyatosh nje. Faire du semblant. Ana. Anajifanyizisha. Faire du semblant. Anajifanyisha. Ne pas exposer sa colère, sa déception, sa frustration. Asianike hasira na kuvunjika moyo yake. Rentrer au genou. Aende kwa magoti. Demander conseil. Aombe shauri. Sans avoir montré quoi que ce soit dehors. Bali na hakuonyesha hali yoyote
Où trouverions-nous des garçons? Qui, même si elles convoiteront les femmes. Les hommes, même si elles convoiteront les femmes et les filles. Même si elles convoiteront les prostituées. Mais ayant appris la maîtrise de la langue, se limiteront à la convoitise interne. Se limiteront aux pensées internes, mais n'arriveront jamais à faire sortir leurs paroles pour dire je t'aime, est-ce qu'on peut. Ils sont instruits à ne pas faire sortir dehors tout ce qu'ils pensent. Vaut mieux se limiter au péché de la pensée sans la faire sortir par la langue, car dès que tu fais sortir, tu es souillé. Tu étais souillé par la mauvaise pensée. Quand tu parles, tu deviens souillé deux fois. Alors que si tu te serais tu, te repentirais des mauvaises pensées, mais qui ne sont jamais tombées dans les oreilles de quelqu'un. Ce n'est pas entré dans les oreilles de quelqu'un. Tu serais justifié en te repentant des pensées que de te repentir et à mal penser et à parler. Écoutez. La langue, c'est l'échappement de tout ce qui est contenu dans l'homme. Je veux dire, c'est comme un moteur ici. Un moteur, engine, mais lakini, le seul tuyau njia moja, qui fait sortir tout dehors, inayotosha yote nje, c'est la langue. Ni ulimi. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? C'est de l'abondance de ce qui est dans le cœur que la bouche parle. Ni kwa kujaya moyo kinywa kinasema. Donc vous voulez savoir ce qui est dans quelqu'un? Unataka jua yaliyo ndani ya mtu? N'allez pas dans les dons. Usiende mkarama. N'allez pas aux genoux. Usiende kumagoti. Oh Dieu, révèle-moi ce qui est dans cette personne. E Mungu nifunulie yaliyo ndani ya mtu. Non, hapana. Ce qu'elle vous dit, yenye anakuambia, c'est ce qui lui remplit. Ni yenye anajaa ndani mwake. Alléluia. Amina. Même s'il fait semblant plusieurs fois, hata kama tajifanyisha mara mingi, tu peux facilement découvrir l'esprit de quelqu'un à partir de sa façon de parler. Tambua yaliyo ndani ya mtu kupitia yenye anasema. Est-ce que vous m'écoutez? Je mnaelewa vizuri? Oh, moi j'ai déjà vaincu les démons de la fornication. Très bien. Utasema, mimi nimekwisha kushinda pepo za ukahaba, sawa. Pourquoi chaque moment tu parles du sexe? Kwa nini kila kuongea unaongea maneno ya ngono? C'est dans toi. Ni kwamba vinajaa ndani yako. Cache mais c'est dans toi. Unajificha lakini viko ndani yako. Oh, moi j'aime beaucoup les frères en Christ. Utasema mimi napenda ndugu sana. Mais pourquoi tu les critiques tous les jours? Sasa kwa nini unawasengenya kila c'est siku? C'est dans toi. C'est dans toi. Ni kwamba viko ndani yako. C'est de ce qui est rempli dans le cœur. Maana ni vyenye vinajaa moyoni. Que la langue exprime dehors. Vous avez besoin de savoir que votre épouse vous aime. Unahaja kujua kwamba mke wako anakupenda. Votre épouse vous aime. Au mume wako anakupenda. N'allez pas au don. Usiende kuuliza karama. N'allez pas dans des chambres de don. Révèle-moi s'il m'aime. Non. Usiende kwa wenye kutabiri kwamba kuambia pana. Que c'est le marque des échantillons de son langage. Toi tu kwa yenye ana zoya kusema. Tu sauras. Utajua. Va le mettre sur le microscope de Dieu. Utaiweka kwenye chuma cha kuchunguza. Mais là si le miroir qu'on appelle le verset de Matthieu, que c'est de ce qui est rempli dans le cœur que la bouche parle. Iweke kwenye ile kioo inachosema kwamba ni anayojaa moyoni anatoka kwa kinywa. Mettez vos lentilles de microscope là-bas, vous verrez facilement que celle-ci n'est même pas. Weka darubini zako hapo na utatambua kwamba yule hakupendi. Alléluia. Amina. Donc en d'autres termes, un menteur, un fornicateur, muzinzi, un voleur, muizi, un jaloux, wivu, un quelqu'un qui hait les autres, wengine, ne restera jamais caché. Hata fichama muda mrefu. Sa bouche vous révélera qui il est. Anayosema yatakuonyesha kile alicho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Souvenez-vous, mukumbuke, que c'est au travers de la langue qu'on peut même blasphémer. Ya kwamba hata ni kupitia ulimi mtu anaweza kukufuru.
Tu peux voir des adorations. Tu vois. Unaona. Tu soupçonnes. Unawazia. Tu soupçonnes. Unawazia. En tout cas, ça, c'est du diable. Unasema, haya ni ya shetani. Alors que c'est des dieux. Kumbe na ni ya Mungu. Mais tu t'étais. Unajinyamanzia yako. Ne va pas blasphémer. Hauta kufuru. Mais tu peux voir. Lakini unaweza ona. Tu injuries. Unatukana. Tu critiques. Unateta. Blasphème. Una kufuru. La bouche seulement. Kupitia kinywa tu. Alléluia. Amina. Alors, j'ai un temps de vérifier les différents noms que porte la langue. Il y en a beaucoup, mais je ne pourrais pas tout dire. Ilikuwa mingi na siwezi sema yote. La langue ulimi a déjà pris 5 noms ici. Imekwisha toa hapa majina tano. Le feu, ni moto, l'iniquité, uovu, ce qui souille tout le corps, ichafuayo mwili wote, ce qui détruit tout le cours de la vie, inaharibu maisha ya mtu yote, le monde de la Gehenne, eti ulimwengu wa Jehanamu. Mais prenez Jacques, redescendons un peu. Katika Yakobo, prenez Jacques. Yakobo. Le verset là où nous étions, montez en haut. Kwa hiyo shahiri kwenye tulikuwa tupande juu. Oh Dieu. Eh Mungu wetu. Qu'il te plaise de sanctifier ce peuple. Ikupendeze kutakasa watu hawa. Jacques 3. Yakobo 3. Dieu puissant. Eh Mungu mwenye uwezo. Nous branchons 3:2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Eti tunajikwa katika mambo mengi. Si quelqu'un ne branche point en parole. Mtu asipojikwa katika maneno. C'est un homme parfait. Ni mtu mkamilifu. Capable de tenir tout son corps en bride. Awezaye kuchunga mwili wake wote. Donc quand on a maîtrisé la langue. Kwamba unaweza chunga ulimi. Tout le corps est maîtrisé. Kwamba mwili wote umechungwa. Vous ne maîtrisez pas la langue. Usipochunga ulimi. Vous commettrez des accidents. Utafanya ajali nyingi. Tout le corps. Mwili wote est maîtrisé par la langue. Unachungwa na ulimi. Ne pensez pas que c'est maîtrisé par les yeux. Usiwaze ya kwamba unachungwa na macho. Ne pensez pas que le corps est maîtrisé par autre chose. Usizania kwamba mwili unachungwa na mambo mengine. C'est pourquoi même parmi des grandes preuves qu'on a reçu le Saint-Esprit, parmi des grandes preuves, pas épreuves, mais preuves qu'on a reçu le Saint-Esprit, kupitia majaribu mengi. J'ai parlé de preuves. Vie. Parmi les différentes preuves qu'on a reçues le Saint-Esprit, c'est quand tu trouves que ta langue est déjà bien posée. Ni wakati unafikia kujua kwamba ulimi wako umetulia. Parce que le Saint-Esprit vient conduire tout le corps. Sababu, Roho Mtakatifu kuja ongoza mwili wote. Maintenant, on vient de nous dire que c'est la langue qui maîtrise le corps. Sasa tumeambiwa kwamba ni ulimi unaochunga mwili wote. Donc la langue, ni kwamba ulimi, elle est capable de détruire tout le corps ou bien de le conduire. Unaweza haribu mwili wote, pia unaweza kuongoza. Alors il continue. Sasa naendelea. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux, kama tunaweza weka vitu katika kinywa cha pour qu'ils nous obéissent, ili kwamba zitutii, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Tunaongoza mwili wao wote. Voici même les navires. Mwangalia hata meli. Qui sont si grands. Ambazo ni kubwa sana. Et que poussent des vases impétueux. Sorry. Et que poussent les vases impétueux. Zenye kusukuma na mpepeo mkubwa. Nous sont dirigés par un très petit gouvernail au gré des pilotes. Zinaongozwa na kitu kidogo kupitia kiongozi. Donc, ni kwamba, tout un bateau, mashua kubwa, qui va charger des tonnes et des tonnes. Ambayo itabeba mizigo mingi. Il y a un monsieur qui est là. Kuna mtu moja aliye hapo. Entre ses mains, il a le gouvernail. Mikononi mwake ana chuma kidogo. La petite chose ici. Hiki kitu kidogo le anacho. Le gouvernail ici. Kinacho ongoza. Va conduire tous les corps. Kita ongoza mashua donc, yote. Donc notre langue, kwamba ulimi wetu, c'est le gouvernail. Niki ongozi volant. C'est le volant. Niki ongozi. Tu peux l'amener là où tu veux. Una kiaweza ipeleka kote. Et si ça t'échappe, ça t'amènera là où ça veut. Na kikikuponyoka mashua itaenda kwenye nataka. Donc la langue peut te faire sortir de là où tu étais. Kwamba ulimi waweza kukuondoa kwenye ulikuwa. Pour t'amener là où tu ne veux pas. Ili ikufikishe kwenye hautaki. De la même façon que les gens qui ont des véhicules. Vivyo hivyo kwa watu wenye kumiliki gari. Quand le volant est en train de perdre l'équilibre, tu ne peux pas rouler, même si le véhicule est en bon état. Wakati volant haiwezi kamatika, inaweza ikakufanyisha mambo mabaya. Tu vas chercher à virer à gauche. Wakati unapoenda
unapotaka t'amène à droite. Ayo inakupeleka kuume. Tu vas cogner les gens. Ni kwamba utagonga c'est watu. C'est pourquoi vous trouverez dans l'église des sœurs qui ont déjà connu trop d'accidents. Ndio maana utawakuta wadada wengi kanisani wamefanya ajali nyingi. Et les se sont cognés à plusieurs personnes. Kwamba wamejikwaa kwa watu. Wamegongana. Wamegongana. Et les ont connu d'accidents. Wamefanya ajali. Leur véhicule a déjà cogné plusieurs femmes dans l'église. Amina. Gari zao zimegonga wadada wengi kanisani. Parce qu'elles ne savent pas maîtriser le volant de la langue. Hawajui kukamata usukani wa gari yao. Donc, kwamba ce sont des accidentés de renom. Ni kwamba wanafanya ajali nyingi. Et le côté telle sœur, on se cogne. Akizoea dada moja wanagonga, anapozoea mwingine wanagonga. Et le visite mandat de jour, on se cogne. Wanarafikiana kwa siku mbili wanavurugana. Il y a des blessés de guerre issus seulement de la langue. Kuna wanao majeraha yanayotokana tu na ulimi. Parce qu'ils n'ont pas su maîtriser les gouvernants. Sababu hawakujua kuchunga usukani wao. Weye tu ni kuachanaka na watu toujours mulisemana tu. Ndio ndio. Donc toi tu te sépares toujours avec des gens parce que vous êtes pas il y a des paroles qui ont été colportées parce que vous avez fait dans vos amitiés. Urafiki wenu unafikiaka kuisha kwa sababu ya maneno mabaya mlioambiana. Biako tu. Ni mama fulani alisema. Telmadi. Shika bien ton gouvernail, tu perdras même la vie éternelle comme ça. Shika usikani wako vizuri maana utafikia na kupoteza uzima wa milele. Quand tu veux aller à gauche, tu cognes à droite. Unapotaka enda kushoto unagonga kuume. Tu veux aller à droite, tu cognes devant. Unapotaka enda kuume unaenda kushoto. Tu veux freiner, le volant t'amène dans les ravins. Unapotaka un jour, tu parleras pour ne plus parler. Gari na kupeleka nyuma. Sasa utaishia wapi? Siku moja utasemaka na utasemaka tena. Ndio. Alléluia. Amina. Le premier jour tu côtoies une sœur. Siku ya kwanza unazoea huyu. On dit, unasema, le lui dit, je ne veux plus te voir avec telle. Bwanako anakuambia sitaki nikuone na fulani. Celle-là te laisse. Ule mnaachana. Tu côtoies une autre. Unazoeana mwingine. Le lui dit, pas question. Bwanako anasema, na ule sitaki. Il y a un moment où tout le monde ne te parlera jamais dans l'église. Utafikia wakati yenye hautakuwa na wakukusemesha. Pourquoi? Kwa nini? Femme d'accident. Mwanamke mwenye kugonga gonga watu. Motif. Sababu gani? Non maîtrise du gouvernail. Hauchunge usukani wako vizuri. Alléluia. Amina. Un frère marié. Ndugu aliyeoa. Quand tu t'assois avec des sœurs. Unapozoea kuketi na wanawake. Tu es là pour critiquer son époux à sa présence. Wewe kazi yako ni kuteta mume wake kwake. Est-ce que tu vas la marier? Je, utaoa ule mwanamke? S'il se séparer, tu vas la prendre. Sasa wakiachana utamuoa? Ils se sont mariés, tu n'étais pas là. Walipooana haukukua? Ils viennent d'avoir autant d'années ensemble, tu n'es pas là. Wamefanya miaka pamoja haukukua nao. Mais ton rôle quand tu t'assois avec les femmes d'autrui, c'est de chercher à leur montrer la méchanceté, que leurs époux sont bizarres, comme si toi tu étais super, comme si toi tu feras quoi? Sasa unapoketi pamoja na wale wanawake, unaanza kuteta waume zao kwamba wao ni wabaya. Kama vile unatafuta kuwaoa. L'esprit du serpent dans l'Eden. Ile ni roho ya nyoka kwenye bustani. De la même façon que le serpent est venu décourager Eve de Adam. Vivyo hivyo nyoka ilikuja katisha tamaa Adamu. Kwa Adamu. Eva kwa Adamu. Uh-huh. A lui montra que celui qui était le vrai gangster. Ikimuonyesha kwamba nyoka ndio ilikuwa nzuri. Jusqu'à ce que Eve n'a pas appelé son époux. Elle a expérimenté sur le champ. Hadi hapo Eva hakuita. Mumewe Adamu aka jipibia kwa nyoka. Tu commences à décourager une femme par rapport à son époux alors que tu ne lui feras rien de plus. Unaanza katisha tamaa mke kupenda mke wake ingalao hautamfalia lolote. Alors l'homme arrive à la maison. Sasa mume afika hapo nyumbani. Il n'a plus de valeur. Hana tena thamani kwake. La femme commence à le voir comme il n'est pas un homme comme les autres. Mke wake anaanza kumwona kama yeye hafai. Il a été visité par qui? Sababu alitembelewa na nani? Le serpent. Na nyoka. Amen. 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 Amina. C'est ça. Ni hiyo. C'est ça. Ni hii. Le gouvernail. Uskani. Amen. Amen. On continue. Tunaendelea. De même. Vivyo hivyo. Verset 5. La langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Kinacho jisifu kwa mambo makubwa. La langue s'appelle majitapo.
vantard. Wakujitapa. Elle est très petite. Niki ungo kidogo. Mais elle se vante de grandes choses. Lakini kinajisifu kwa mambo makubwa. Mie. Moi. Mie. Moi. Kwetu. Chez nous. Mwangu. Chez moi. Kukazi yetu. Là où je travaille. Bakwetu. Ah, chez nous. Bamukabila yetu. Chez nous. Et patati patata. Allez voir celui qui se vante. Wende wone mwenye kwa najitapa. Il n'a rien. Hana kitu. Il n'a rien. Hana kitu. Cherchez à impressionner les gens. Kutafuta tu kuvutia watu. Comme frère Branham dit que ce sont des tonneaux vides qu'il faut seulement débrouiller. Kwanza mjumbe anasema kwamba ni ngungulu za wazi ndizo zinaleta fujo. Quelqu'un a un capital de 5,000 dollars. Mutu ana pesa kiasi 5,000. Tout le monde saura qu'il a 5,000 dollars. Inchi nzima itajua kwamba ana pesa. Mais ceux qui en ont plus ne parlent pas. Lakini wenye kumshinda hawana hata hawajulikani hata. Alléluia. Amina. Quelqu'un fera des petites études. Mtu akisoma tu kidogo. Il a atteint un petit diplôme là. Huenda amepata tu cheti kidogo. Tout le monde doit savoir qu'il est intellectuel. Kila mtu atajua kwamba ni msomi. Les autres qui ont étudié très. Wengine ambao walisonga mbali. De hautes études. Na masomo makubwa. Ils se mélangent avec les autres. Wanachanganyikana na wengine. Ils deviennent humbles et accessibles. Wanaweza hata karibiwa. Humble accessible. Wanyenyekevu kabisa. Mais quelqu'un qui a un petit diplôme, je l'appelle petit diplôme parce qu'il y a des grands diplômes aussi. Mwenye ana cheti kidogo maana jueni ya kwamba kuna vyeti vikubwa. Tu le verras devenir trop orgueilleux. Utamuona akivimba. Et nous. Atasema sisi. Eh bien. Sisi. Eh bien. Sisi. Tu vois nous qui avons étudié. Naona sisi tuliosoma. Vous avez étudié quoi? Wewe ulisoma nini? Peut-être aussi en chômage. Un paysan qui n'a pas étudié, il te surpasse même l'argent. Mutu wa kijijini ambaye hakusoma anakushinda pesa. Tu te vantes de quoi? Unajitapia nini? La Bible dit que celui qui veut se vanter, qu'il se vante de connaître Dieu. Biblia inasema kwamba atakayejitapa, ajitape ya kuwa ana Mungu. Alléluia. Mwisho pale. Alléluia. Amina. Donc la Bible dit. Sasa, Biblia inasema, elle se vante de grandes choses. Ulimi unajitapia mambo makubwa. Voici comme un petit feu. Ona ikiwa kama moto mdogo. Comme un petit feu. Sawa moto mdogo. Embrase une grande forêt. Ambayo ina choma pori kubwa. Seigneur Jésus. Wana Yesu. 3:7. Tatu saba. Toutes les espèces de bêtes. Kila aina wanyama. Et d'oiseaux. Na ndege. De reptiles. Na nyoka. Et d'animaux marins. Na wa baharini. Sont domptés. Zinaweza chungwa. Et ont été domptés par la nature humaine. Na zinachungwa na maumbile. Mais. Lakini. La langue. Ulimi huu. Aucun homme ne peut la dompter. Hakuna mtu awezaye kufuga. Donc la langue c'est l'indomptable. Kwamba ulimi hawezi ukafugwe. L'indomptable, kisichoweza fugwa. Kisichoweza fugwa. Donc écoutez. Sasa sikieni. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, bla bla bla. Mchungaji, nabii, mwinjilisti, albishop. Tous vos vœux, tous vos dons. Karama zenu zote. Personne ne peut maîtriser la langue. Hakuna wezaye kuchunga ulimi. Sauf le parfait. Isipokuwa mkamilifu. Moi je vous l'ai dit. Mimi nawaambia. Pourquoi les gens, au lieu de se vanter de leur ministère, ne pouvaient pas se vanter du fait qu'ils ont quand même progressé dans la gestion de la langue? Kwa nini watu kuliko kujitapia huduma zao hawangeweza kufikia kujitapia kuwa waliweza kuchunga ulimi? Eh? Je crois qu'on allait cesser tous les débats. Nazani ubishi ingalikoma. On dit. Inasemwa. Là, c'est le moment de parler comment maîtriser la langue. Vos dons, vos ministères, vos qualités, mets-toi d'abord à côté. Est-ce qu'avec ton don, avec ton ministère, est-ce que tu as maîtrisé la langue, frère? Et tu watu wangaliacha kujitapia vi karama wanazo, huduma wanazo, lakini ya maana wangejitapia kwamba wamejua kuchunga ndimi zao. Ungebauliza, mwa ile huduma yako, ulishaweza lulimi? On a vu des grands ministres. Wahuduma wakubwa walionekana. On a vu de grandes personnalités. Kulikuweko watu wakubwa. Mais quand vous écoutez comment ils critiquent les autres. Lakini usikiapo namna wanavyoteta wenzao.
quand on te dit ce qu'ils ont dit de vous, wanapo kupasha walio sema juu yako, tu te dis, unasema, c'est lui ou ce n'est pas lui. Ni yeye wala haiko yeye. Tu dis, unasema, alors le ciel n'aura pas de gens. Kwamba mbinguni kutendaka kwa wachache. N'aura que peu qui iront. Watendaka kwa ni wachache. Amen. Amina. Quelqu'un monte une histoire sur vous. Mutu anapasha habari kukuhusu. Il monte une histoire. Anapanga maneno juu ya frère tel, il a fait ça, fulani, c'était le jeudi à 14h. Alifanya hiki na ni kweli. On vérifie, tu n'étais même pas là. Wanapochunguza itakutaniwa haukuweko hata. Je continue. Naendelea. Mais lakini, la langue, ulimi, aucun homme ne peut la dompter. Hakuna wezae kufuga. C'est un mal ni uovu qu'on ne peut réprimer. Ambao haiwezi hamakiwa. C'est un mal eti ni uovu qu'on ne peut réprimer. Usioweza hamakiwa. Oh, El Betel. Eh, kanisa. Si ce matin asubuhi hii pouvait vous servir, inge kusaidia, à tirer profit de la prédication, ufaidike katika mahubiri, à commencer à vous exercer, uanze kujizoelesha, parce que dans quelques minutes je vais vous dire comment s'exercer à sababu maîtriser la langue kidogo nitawafundisha namna kujizoelesha kuchunga ulimi. Parce que le matin, sababu asubuhi, quand je faisais la méditation sur la prédication, nilipokuwa nikiwaza kuhusu mahubiri, j'ai senti l'esprit me dire, nilisikia roho ikiniambia, de tout ce que tu diras, kwa yote utakayosema, enseigne mon peuple à maîtriser. Fundisha taifa langu kushika hivi. Ils peuvent bien connaître tous ces dangers. Wanaweza elewa hatari zile zote. Ils peuvent bien connaître tous ces noms. Wanaweza jua majina yale yote. Mais l'essentiel pour lakini mon peuple, ya maana kwa taifa, comment maîtriser, namuna ya kushika. Parce qu'ils seront des connaisseurs, sababu watakuwa tu waiwai, capables d'expliquer toutes les théories, wawezayo kufasiri maneno yote. Mais s'ils n'ont pas appris comment maîtriser la langue, lakini wasipofundishwa namna ya kuchunga ulimi, mes fils et mes filles succomberont sur le front de la bataille. Wana na binti zangu watashindwa kwenye mapambano. Amen. Amina. Un mal, wov, Virgile, kato, qu'on ne peut réprimer, usioweza hamakiwa, elle est pleine d'un venin mortel. Eti inajaa na sumu, sumu ya kuua. Ndiyo. Amen. Cobra. Cobra naja. Donc elle est pleine d'un venin mortel. Kwamba inajana sumu iwezayo kuua. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Si mimi nisema ni Biblia. Elle est pleine. Kwamba inajana d'un venin na sumu mortel. Inayouua. Ndiyo. Donc la langue, kwamba ulimi, c'est un venin. Ni sumu kubwa. Cobra, il y a des serpents. Kunazo nyoka, quand tu l'approches, il fait comme ça. Inakutemea. Inakutupia sumu. Si le venin tombe sur ton corps, ile sumu ime, hallelujah, ile sumu imekutupia ikianguka kwa mwili. Ça va tuer. Inatoboa. Ça entre dans le sang, tu meurs. Inaingia mudamu na unakufa papo hapo. Il y a des serpents. Kunazo nyoka. Quand ils crachent dans tes yeux, inapo kutemea muuso, tu deviens aveugle. Unakuwa kipofu. Tu ne verras jamais. Hakuna siku et dans moins de 30 jours, on doit t'enterrer. Na musiku makumi tatu tazikwa. Nous sommes en train de chercher les cobras dans le désert. Tuko natafutia nyoka kali mujangwa. Alors que les cobras sont annonceurs dans nos frères. Kumbe nyoka zimo ndani ya wadada zetu na ndugu zetu. Sœur Cobra. Dada nyoka mkali. Frère Cobra. Ndugu nyoka sumu. Il s'approche d'une femme. Akikaribia mwanamke. Lui parle des mots. Akimwambia maneno. L'amour envers son époux disparaît. Upendo kwa mume wake inakoma. Venin mortel. Ça a déjà tué l'amour à l'égard d'un époux. Sumu ya kuwa maana imeua upendo kwa mume wake. Elle s'assoit à côté de toi. Akika. Elle commence à te parler des serviteurs de Dieu. Akianza kukuzungumzia watumishi wa Mungu. Quand ils seront en train de prêcher, wakati atakapokuwa kihubiri, c'est l'image que l'État donné qui vient. Sorry. Ile picha aliyokupatia inakukujia. Tu ne suis jamais la prédication. Hautafuata tena mahubiri yake. Est-ce que tu n'es pas mort? Je,
Hawia kufa basi. Venin mortel. Sumu ya kuua. Lula. Amen. Ndio. C'est une fille. Atakuwa binti. Elle n'est pas sauvée. Hakuokoka. Elle s'approche d'un frère. Akikaribia ndugu. Elle lui parle deux mots. Anamwambia maneno mbili. La convoitise monte directement. Tamaa inapanda ndani ya mwanaume. Le frère va commencer à la chercher. Ndugu ataanza kumuwinda winda. Ule sera ananipendaka tu. Aha. Ananilunguliaka muroho tu. Ndio. Mais elle t'a déjà tué, non? Alisha kukuua wewe kaka. Venin mortel. Sumu ya kuua. Tu étais stable. Ulikuwa kimya. Mais dès que la fille t'a déjà dit. Tangu ule binti alikuongelesha. Tu es mort. Ulikufa. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Eh Bwana. Donc la langue, kwamba ulimi, elle commet trop de péchés. Elle peut vous pousser à dévoiler les secrets. Inaweza kusukuma utoboe siri. Elle peut te pousser à critiquer. Je inaweza suis la sorte de péché que la langue apporte. Pour les gens qui écrivent, c'est la partie qu'on appelle sorte de péché que la langue apporte. Mwenye kuandika, tuko tunaeleza kuhusu zambi zinazoletwa na ulimi. Donc la langue, kwamba ulimi, elle peut vous amener à dévoiler les secrets. Inaweza kufikisha kutoboa siri. Elle peut vous pousser à critiquer. Inakufikisha kuteta. Elle peut vous pousser à calomnier les inaweza autres. Kukufikisha kusema vibaya watu. Elle peut te pousser à faire les rapportages. Inakufikisha kupasha habari. Elle peut te pousser au mensonge. Inakufikisha kusema uongo. Elle peut te pousser aux injures. Yaweza kufikisha kutukana watu. Les querelles. Magomvi. La propagation des fausses nouvelles. Kutangaza habari za uongo. Le découragement des autres. Kuvunja wengine moyo. La médisance. Les faux témoignages, l'incitation à la haine tribale ou ethnique, kuzusha chuki na ubaguzi wa kabila, par la langue, kupitia ulimi, bale ni uza wanyoka, bale ni nyoka tu, wale ni wabaya, ni wabaya, bale hawakuwa kebatu, et directement tiseme dans quelque que ce soit de mauvaises personnes. Na papo hapo unapanda mbegu ya kwamba mwa ile kabila mutokake watu wazima, la malédiction des gens, kulaani watu. Et toute une série de choses. Mufurulizo wa maovu. Combien de gens sont détruits par la langue seulement? Watu wangapi ambao wanaharibiwa tu na ulimi? Et qu'est-ce qui pousse les gens à échouer? Nini nafikisha watu kushindwa? Parce que je vais aller au médicament très rapidement. Qu'est-ce qui pousse les gens à échouer? Nini nafikisha watu kushindwa? La haine. Chuki. Si tu n'aimes pas quelqu'un, usipopenda mtu, tu vas le critiquer. Utamsengenya. Essayez de voir. Mjaribu kuona. Quand vous aimez quelqu'un trop, Alléluia. Wakati unapenda mtu sana. Même quand on vous amène des mauvaises nouvelles sur lui. Hata wanapokuletea habari za uongo juu yake. Inaccepte pas. Hauitikake. Amen. Regardez. Mwangalie. Quand tu aimes quelqu'un. Wakati unapenda on mtu. On vous dit qu'il a fait telle chose. Wanakuambia alifanya jambo fulani. Si tu l'aimes, tu dis non. Kama unampenda unakana. Mais si tu ne l'aimes pas. Lakini usipompenda. Ah oui, tu peux avoir raison. Dio inaweza wezekana. Na mimi simuona ke clair. Na mimi simuona ke clair. Vraiment. Donc parmi les éléments de critique, il y a la haine dedans. Miongoni mwa tabia kusengenya na chuki na kuaka ndani. Il y a des moments où même quand vous aimez quelqu'un, kuna wakati unapopenda mtu, vous savez qu'il a fait ça. Ukisikia kwamba alifanya ja. On vous le dit. Wanaikupasha. Vous faites semblant de douter. Una jifanyisha kushakia. Vous ne propagez plus. Na hauta itangaza. Vous vérifiez. Unachunguza kwanza. Vous l'exhortez. Unamuonya. Mais vous quand on vous dit. Lakini wewe unapoambiwa. Vous n'avez pas encore vérifié. Hauya chunguza. Vous dites à la troisième personne. Unaenda pasha mutu atatu. Haine. Chuki. La jalousie. Wivu nayo. Quand vous êtes jaloux à l'égard de quelqu'un. Wakati unasikiliaka mutu wivu. Il vous sera facile de le critiquer. Itakuwa vigumu. Ce sera facile de le critiquer. L'autre chose, il y a des gens quand ils parlent, quand ils sont au bout des mots, ils commencent maintenant à mentir. Alléluia. Quand ils parlent, tu n'as plus à dire tais-toi. Pourquoi commencer à créer des choses parce que maloba isili? Kwa nini unaanza unda unda maneno sababu maneno mekuisha mkinywa? Autre cause. Jambo lingine. L'absence du pardon. Kukosa msamaha. Quand tu n'as jamais pardonné quelqu'un. Wakati
wakati haujasamehe mtu. Tout ce qu'on dira de lui, tu vas encore attiser. Yote utasikia kwake vitawasha moto. Autre chose, il y a les gens qui le font par manque de connaissance. Jambo lingine, kuna wenye kuanguka mwali makosa sababu ya kutojua. Ils ne connaissent pas les causes et les conséquences de tout ce qu'ils font. Hawajui sababu na vinyume ya vyenye wanafanya. Il y a d'autres qui sont dans l'incapacité de gérer la langue à cause de l'hérédité. Kuna wengine wanashindwa kuchunga ulimi sababu walirithi hiyo kwa wazazi. Ndiyo. Il est né d'une femme critiqueuse, il devient aussi critiqueur, même si c'est un homme. Na wazazi wa tetanaji, naye popote atakuwa ni kutetana tu. Tu trouves un homme critiqueur? Unakuta mwanaume wa kusengenyana. Nous on croyait que c'est chez les femmes. Si tulikuwa na waza kwamba ni tabia wanawake. Mais il en existe des hommes comme ça. Eh, na wanaume wa vile wanakuwaka. Quand il commence à parler. Anapo anza kusema. C'est à toi de lui tuachie pale minaenda. Wako wa kumnyamazisha. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui le font parce qu'ils sont dans un environnement sali. Sababu wanakaa katika mazingira machafu. Ils sont dans un milieu où wako pahali kwenye les gens ont l'habitude de parler des autres. Watu tabia yao ni kusengenya wengine. Et aussi sont entraînés par ces démons. Na wanaingia katika hali hiyo. Il y a plusieurs causes. Kunazo sababu nyingi. Moi je vais aller comment maîtriser la langue. Kwenye mimi ninaelekea ni kujua namna ya kuchunga ulimi. Effacez-moi le tableau. Tutavuta ubao kidogo. Prenez vos stylos. Shikeni kalamu zenu. Vous qui écrivez. Ninyi mnaoandika. Ouvrez bien les oreilles. Na mfungue masikio. Vous les élus de Dieu. Enyi wateule wa Mungu. Prenez bien au sérieux. Na mshike vema. Vous les fils et les filles de Jéhovah. Ninyi wana na binti wa Yehova. Écoutez bien la sentence de Dieu. Sikieni hukumu ya Mungu. Vous qui avez besoin de la sanctification. Ninyi mnaohitaji utakaso. Afin de rester vainqueur. Ili mudumu mkiwa washindaji. Amen. Amen. Comment puis-je maîtriser ma langue? Sasa, naweza chunga ulimi wangu namna gani? Comment puis-je maîtriser? Naweza chunga ulimi wangu namna gani? Oh Dieu. Et Mungu. Je veux que si je dis quelque chose, nataka wakati ninaposema jambo, un verset chairi, et que je n'ai pas le temps de le lire avec vous, na, niwe na muda wa kuisoma pamoja nanyi, prenez le courage de l'écrire pour le vérifier à la maison. Muwe na juhudi ya kuyandika ili mufika hapo nyumbani mwisome. Moi, je ne suis pas d'accord que quand un prédicateur prêche que les gens ne commentent pas sa prédication. Mimi, sikubaliane na kwamba mtu akihubiri watu waweze ongea kuhusu mahubiri nyumbani. Parlez de ça. Muyaongelee. Il a prêché la fausse doctrine, découvrez là où il y a l'erreur. Kama naweza kuwa alifundisha vibaya, mutavitambua nyumbani. S'il a prêché ce qui est vrai, kama alihubiri lio kweli, vous le découvrirez. Mutaitambua. Tous les vrais croyants, revoyez les écritures après la prédication. Kila muamini wa kweli anapaswa kuwa anapekua maandiko nyumbani. Oui, c'est ça d'ailleurs la spiritualité. Kwanza ile njo kuwa wa kiroho. On ne va pas seulement avaler. Mukristo si wa kumezaka mezaka tu. Vous devez aussi vérifier. Unapaswa kuwa pia munachunguza. Vous vérifiez. Chunguzeni pia. Amen, amen, amen. Amina. Est-ce que vous êtes prêts qu'on y aille? Je, muko tayari tuende sasa. Pas pour écouter, mais pour aller pratiquer. Si kwa kusikiliza tu bali kwenda kutenda. Vous savez, munajua? Il y a les gens qui n'ont pas compris pourquoi certaines églises deviennent très dures par rapport à d'autres. Kuna watu ambao hawafikake kuelewa kwa nini makanisa mengine yanakuwa kaya nguvu ya makali. Makali kuliko mengine. Vous savez le secret? Unajua siri? Laissez-moi vous dire le secret. Ngoja niwaambie. On demandera trop à celui à qui on a donné trop. Wataulizaka mingi kwa yule mwenye aliambiwaka mingi. Nuka ona prêché une chose. Sisi wakati tunahubiri kitu. On sait qu'on l'a déjà exposé. Tunajua kwamba tumesha itangaza. Nous devenons très durs à l'égard de la violation. Tunakuwa makali wakati kunaonekana uasi. Parce que celui qui va violer ça. Sababu mwenye taasi kwa haya. Nous pouvons facilement dire, frère, on vous a déjà prêché ça. Tunaweza kumuhamakia na kusema, mbona tulisha kuhubiri. Alors ceux qui ne reçoivent pas ce genre de prédication. Kwa wale ambao wapokee aina mahubiri haya. Ils disent, mais pourquoi vous êtes très sévère? Oui, on est très sévère parce qu'on en a déjà parlé. Munatukua kwa makali, lakini kwenu mulisha viambiwa. Oui. Ndiyo. Vous donnez aux gens des choses. Unapatia watu mambo. Vous avez besoin que ça s'applique. Haja yako ni kwamba waende waviishi. Pour dire que dans l'avenir, ni kwamba musiku za usoni, il nous sera difficile de tolérer des péchés de langue dans l'église. Itakuwa vigumu
kuvumilia kutokana na ulimi kanisani humo. Et c'est ça. Nani hivyo? Parce qu'on vous demandera c'est qu'on vous aura déjà donné. Sababu mutaulizwa kwamba hamujafundishwa. Tutabauliza byenye tulibapa. Ndio ndio. Première stratégie. Mbinu ya kwanza. Imiter Jésus. Kuiga Kristo. Branchure, écoutez-le. Katika mafundisho yanayoitwa mumsikilize. 1er mars 58. Tarehe moja mwezi wa 3 1958. Paragraphe 32. Mtaji wa 32. Et il a pris avec lui ses trois témoins. Akatoa washuhuda watatu pamoja naye. Car Dieu allait faire quelque chose d'important. Sababu Mungu angefanya kitu cha maana sana. Jésus ne prononce jamais des paroles vaines. Yesu hasemake maneno ya ovyo. Chaque parole avait un sens. Kila alilosema lilikuwa na maana yake. Aha. Amen. Amina. Est-ce que vous écoutez d'abord le premier secret? Je mumeshika mmenasa kwanza ile siri ya kwanza. Amen. Amen. Premier secret? Siri ya kwanza? Il faut imiter Jésus. Yafa kuiga parce que celui le modèle de l'épouse. Sababu ndiye kielelezo ya bibi harusi. Celui le modèle de l'époux. Na ndio kielelezo cha bwana harusi. Celui le modèle pour l'épouse. Yeye ndiye bwana harusi kwa bibi harusi. Jésus ne prononce jamais de paroles vaines. Yesu hakuna siku alisema neno ya ovyo. Chaque parole avait un sens. Kila alilosema lilikuwa na maana yake. Et la Bible nous apprend na Biblia inatufunza à ne pas user de vaines répétitions ni de tenir de vains discours. Kwamba tusirudilie mambo wala kutamka maneno yasiyosaidia. Que votre oui soit oui. Amen. Kwamba ndio yenu iwe ndio. Que votre non soit non. Na hapana yenu iwe hapana. Car ce qu'on y ajoute vient du péché. Sababu kinachoongezwa juu ya hiyo ni dhambi. Ça c'est ce qu'on appelle écoutez-le 1er mars 58. Hiyo inatoka katika mafundisho mumsikilize tarehe ya kwanza mwezi wa 3 1958. Paragraphe 32. Mtajo wa 32. Premier secret. Siri ya kwanza. Dites des choses importantes. Sema maneno ya maana. Ce qui n'est pas important, laissez. Yasiyo ya maana, acha. Dites des choses qu'il faut dire. Sema yanayostahili kusemwa. Les choses vaines, non. Maneno ya ovyo, hapana. Deuxième secret. Siri ya pili. Ne laisse jamais le diable utiliser ta langue. Usiruhusu shetani atumie ulimi wako. Ne laisse jamais le diable utiliser ta langue. Usi kubalie shetani atumie ulimi wako. Amen. Franchir, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mafundisho ya itwayo Yesu Kristo ni yule jana leo na hata milele. Jésus-Christ le même hier aujourd'hui éternellement. Yesu Kristo yule jana leo hata milele. 16 janvier 55. Tarehe 16 mwezi wa kwanza 1955. 16 janvier 55. 16-1-55, paragraphe 40. Tarehe mwezi wa kwanza 1955 mtajo wa 14. Ce jeune garçon, yule kijana, s'était si complètement livré à Satan. Alikuwa amejitoa kwa shetani. Que les démons se servaient de sa langue. Kiwango pepo zikatumia ulimi wake. Croyez-vous que les démons peuvent utiliser votre langue? Je, unaamini ya kwamba pepo yaweza tumia ulimi wako? Certainement. Bila shaka. Il vous fait dire des choses que vous n'auriez pas dire. Pepo itakusemesha mambo usingeweza sema. Il vous fait mentir. Inakusemesha uongo. Voler. Inakutuma uibe. Il vous faut dire des choses qui ne sont pas vraies. Itakusemesha mambo yasiyokuwa kweli. Dire des paroles mauvaises que Dieu ne veut pas que vous disiez. Useme maneno mabaya yenye Mungu hangependa useme. Le diable exerce sur vous un contrôle complet. Shetani anakamata uchunguzi wote juu yako. Donc, kwamba, je vais expliquer la citation. Nitafasilia mtajo mwenyewe. Quand le diable vous amène à dire n'importe quoi. Shetani akikufikisha kusema haizuru nini? Il a déjà le contrôle. Kwamba amesha toa uchunguzi juu yako. Alors, sasa, n'accepte jamais de dire des choses qui ne font pas dire. Usitikake na usitike kusema maneno yenye upate sema. Donc chaque fois que tu veux dire quelque chose, kila unapotaka sema neno, fais passer dans un tamis. Uipitishe mukayungio. Anza, ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Sema,
Est-ce que Dieu peut aimer ça ou le diable peut aimer ça? Mungu anaweza penda hii au shetani. Amen. Amina. Troisième secret. Siri ya tatu. Il faut veiller sur votre langue. Yafa kukesha kwa ulimi wako. Proverbe Mezali 13:5. 13:5. Ça dit inasema celui qui veille sur sa bouche anayekesha kwa kinywa chake garde son âme. Anachunga ulimi wake. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à la perte. Anayefungua kinywa chake anafikia mkihombo. Veillez sur votre langue, votre bouche. Kesha kwa kinywa yani ulimi. Proverbe 13:3. Mezali 13:3. C'est-à-dire, maana yake, désormais, tangu leo, avant de parler, mbele kusema, il faut d'abord méditer. Uwe unawaza. Yibi byenyemi niko nataka sema. C'est que je vais dire. Est-ce que ni bya kusema? C'est convenable à dire. Veillez. Kesha. La Bible nous dit veillez sur votre âme. Biblia inasema kesha kwa nafsi yako. Curieusement elle revient. Tena inarudia. Elle dit que celui qui veille sur sa bouche veille sur sa langue. Kwamba anaye sur son âme. Anayetaka chunga ulimi wake akesha juu ya nafsi yake. Anayekesha juu ya ulimi wake huyu anakesha juu ya nafsi yake. Okay. Kumbe unapoteza nafsi yako usipokesha juu ya ulimi wako. Ndio ndio. Amen. Amen. On est au quantième secret. Tuko kwa siri ngapi ninyi mnaoandika? Hein? Trois. Donc il faut méditer. Premier c'était imiter Jésus. Mwangalie le siri kuhusu. Premier c'était imiter Jésus. Siri kuiga Yesu. Deux. Pili, ne pas donner à Satan le fait de vous contrôler. Usitike shetani aku. Deux, donc trois maintenant. Tatu sasa. Veillez sur la langue parce que ça va vers l'âme. Kesha juu ya ulimi sababu inaelekea nafsi. Quatre alors. Sasa ya ine. Il faut éviter de rapporter ce qu'on vous a dit. Éviter de rapporter. Epuka kutawanya vyenye uliambiwa. Car ça divise les gens. Sababu vinagawa nyaka au inagabula watu. Je vais vous donner un secret. Nitawapa siri. Ils ne font pas tomber dans l'erreur de critiquer une femme à côté de son époux, un homme à côté de sa femme, une femme à côté de l'homme. Ça va être connu. Fin de fin. Epuka kuteta muke kwa bwana yake au bwana kwa bibi yake. Sababu mwisho na mwisho bitajulikana. Alléluia. Amen. Tu viens, unakuya, tu parles à la femme. Unaambia mwanamke. Un jour, siku moja, elle dira à son époux, atambia ka bwana yake. Elle me disait ça. Fulani alikuwa ananiambia hivi kujuu yako. Il y a des moments où l'homme et la femme ne se conviennent pas. Kuna nyakati bibi na bwana wapatanake. Toi tu veux profiter. Una kamatia pa. Les jours qu'ils seront en train de rire. Sasa siku yenye batakuwa kanacheka. Ils y reviendront. Batarudilia kapal. Et toi tu auras de la honte. Na ile siku tapataka haya. Faites attention avec les amis. Fanya angalisho na marafiki. Tu peux trouver un ami. Unaweza pata rafiki. À quelqu'un. Rafiki ya mtu. Tu parles parce qu'il y a un petit pépin entre eux. Unasema sababu kuna kamzozo kadogo kati yao. Les jours qu'ils se conviendront l'un et l'autre. Siku sasa watapatanaka. Quand ils se réconcilieront. Watakapo jiunganisha. Ils reviendront sur tout ce que tu avais dit. Watarudiliaka kwa yenye utakuwaka uliwafanyia. Et c'est toi qui auras de la honte. Na wewe. La Bible dit. Sasa Biblia inasema. Écrivez ça. Muyandike. Proverbe 16:28. Mezali. Là où la Bible dit kwenye Biblia inasema que celui qui rapporte ya kwamba mwenye kupasha mahabari divise les amis anagabulaka marafiki. Mais lakini, n'oubliez pas une chose. Usisahau jambo. Chaque fois que tu vas vouloir parler, kila wakati utataka kusema, pose-toi une seule question. Jiulize ulizo moja. Quand on saura que c'est moi qui ai dit ça, itakapojulikana ya kuwa ni mimi nilisema, quelle image on aura de moi? Watakuwa na picha gani kunihusu? Des fois vous dites des choses. Mara mnasemaka mambo. Sans vous imaginer qu'un jour ça sera connu. Bila kujua ya kwamba kuna siku vitajulikanaka.
Et celui qui utilise sa bouche na mwenye anatumia ulimi croit qu'il parle des choses qui ne seront jamais connues. Anawazaka iko anaeleza vyenye havitajulikanaka. Alléluia. Amen. Tu viens critiquer un serviteur à côté d'un serviteur? Unakuya teta mtumishi kwa mtumishi mwenziwe. Tu as perdu le temps. Umepoteza muda wako. Il le lui dira. Ata mwambia katu. Au mieux aller chez l'autre, va lui dire tout droit. Ingelikuwa vizuri umwendee umwambie waziwazi. Tu critiques un pasteur à sa brebis? Unateta mchungaji kwa mfuasi wake. Tu as perdu le temps. Umepoteza wakati. Le jour qu'il tombera malade. Siku atagonjwa. Elle vient compris pour elle. Ili kwamba aombewe. Le pasteur va lui dire. Mchungaji atamwambia. Est-ce que tu n'as pas à te repentir avant qu'on ait pris pour toi? Atamuuliza je. Hauna vya kutubu mbele tukuombee. Elle va tout mettre là-bas. Atamwanga vyote pale. Hamkwake na akili. Ndio. On a critiqué mchungaji pembeni ya bredi wake. Atamwambia. Ndio. Na kama hamwambie siku zitafika tu atamwambia kama mchungaji bali kusemaka nikanyamaza mebiko hivi papa. Amen. Sio una akili. Tu n'es pas intelligent. Ulisahau kama yale maneno unayoyasema yatakwenda tu. Ndio. Eh? Mm. Eh? Ndio. Tu critiques un unateta mzazi kwa mtoto au unateta mtoto kwa mzazi? Mais quand l'enfant aura de nouveaux habits. Wakati sasa mtoto atanunuliwa mavazi mapya. Il veut de manger la viande. Amekula kukanyama. On lui a acheté des souliers. Bali mununulia kiatu. Est-ce qu'il ne dira pas? Hata ambia baba yake bioni mwambia. Mama mina shiba. Il dira je suis rassasié. Kiatu a bien. Nimevaa vizuri. Si bali kusema fulani. Alléluia. Amen. Attention. Angalisho. Je vais vous donner un verset qui fait aussi parmi les... Prenez Ecclésiaste 10, 20. Je vais m'arrêter sur ce verset parce que j'ai 17 stratégies. Sababu hapa nina mbinu 17. Je ne les dirai pas aujourd'hui. Sitazisema zote leo. Je préfère venir un matin. Napenda nikujake asubuhi moja. Commencer sur nianzie quelles sont les stratégies de maîtriser la langue. Zile mbinu za kuchunga ulimi ni zipi? Nianze moja, mbili, tatu, nne, tano. Je commence un à un. Parce que si, sababu hapa, si je fonce, nika enda mbali, je vais vous surcharger, mais vous n'allez pas retenir ça. Nitawajaza mingi, lakini hamutashika vyote. Je viendrai un matin nitakuyaka siku moja sur hivi, les stratégies de la maîtrise de la langue. Kuongelea juu ya mbinu za kuchunga ulimi. Donc je viens de vous faire goûter les 4 et les 5. Hapa tu nimewaonjesha kwa zile 4 5. Après on va prier. Kisha tutaomba. Mais un jour. Lakini siku moja. Un jour. Siku moja. Je viendrai là-dessus. Nitairudiliaka. Parce que j'en ai. Sababu ninavyo hapa. Mais l'esprit bali roho ne veut pas que je vous surcharge. Hataki kwamba ni wa yalishe. Ni wajaze ni bavukishe nianze soza. Prenez un verset seulement. Mukamate tu ile andiko. Je vais le commenter. Nitaifasilia. Puis nous allons terminer. Kisha tutamalizia pale. Nous viendrons un autre jour. Tutairudilia siku ingine. Prenez Ecclésiaste. Mukamate Mhubiri. 10 20. 10 makumi mbili. En tout cas, kweli kabisa. Si le dernier verset ici est bien compris, hii shairi ikieleweka vizuri, on évitera trop de problèmes. Tutaepuka shida nyingi. Ecclésiaste. Mhubiri. Que Dieu soit l'appui, l'assistance à ce peuple. Mungu ajie msaada ta ipalaki. Je suis sûr et certain. Nina uhakika. Que ceux qui sont très très bien disposés, kwamba wenye wako kabisa tayari, ça va les aider dans la vie. Itawasaidia mumaisha. Nous allons de perfection en perfection. Tunaelekea ukamilifu kwa ukamilifu. De révélation en révélation. Na ufunuo kwa ufunuo. Et Dieu prépare son épouse à na la Mungu sainteté. Akienda kitayarisha. Ecclésiaste 10:20. Je vais lire. Mhubiri 10:12. Ne maudis pas les rois.
même dans ta pensée. Ndiyo. Et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, Kweli, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Eti, usitukane au silaani mufalme, apana hata apana hata katika mawazo yako, wala usitukane au silaumu tajiri chumbani mwako cha kulalia, kwa sababu ndege wa anga atamupelekea, atachukua sauti, na mwenye mabawa atatoa habari. Ole! Yesu Bwana. Koma quelqu'un qui est dans la chambre? Namuna haleluya. Namuna gani mtu mwenye yuko mchumba chake? La Bible nous dit, Biblia imetuambia, un oiseau. Ya kwamba ndege ya anga. Que toi tu n'as pas vu. Yenye wewe haukuona. Va battre les ailes. Itapiga mabawa yake. Pour aller parler à cet homme là qui tu as critiqué. Kwenda kupasha habari yule mtu mwenye uli Sengenya. C'est là où les Français disent même les murs ont des oreilles. Alléluia. Pale njoo kwenye wa France wanasema eti bambazi binakwaka na masikio. Est-ce que vous écoutez ce verset? Mumeelewa andiko hili? Ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches. Usitukane mfalme mchumba kwenye unalala. Car l'oiseau du ciel, sababu ndege wa anga, emporterait ta voix. Watabeba sauti yako. L'animal elle publierait tes paroles. Ule ndege itatangaza habari. Ya mabawa. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Wapendwa, ina maana gani? Ce n'est pas l'oiseau qui apporte ça. Ndege, hii ndege itabeba habari. Non! Cela veut dire même celui qui ne croit pas qu'il allait rapporter l'information, il l'amènera. Na mwenye unawazia kwamba atafikisha habari, ataifikisha tu. Et c'est là où vous commettez des erreurs. Vous êtes assis au travail. Vous êtes au nombre de 8 enseignants. Vous commencez à parler du directeur. Tout le monde parle. En tout cas, vraiment, tu n'as pas testé. Un de vos enseignants ira parler au directeur. Vous êtes des maçons. Dans un chantier, katika kibanda, vous parlez. Après avoir fini à parler, vous rentrez. Munarudia. Un maçon fundi moja va parler au patron. Ata elezea bossi. Il va parler. Ata mwambia. Vous avez pensé que vous parlez dans la chambre. Nye mutawaza muka naongelea mchumba. Un oiseau ailé. Ndege iliyo inayo Il y en a mabawa. C'est-à-dire un quelqu'un que vous ne savez pas qu'il a quitté pour rouler, pour s'en aller là. Mutu mwenye wazia kwamba ali tembea kwa kwenda kule. Il ira parler. Ataenda sema. Alors, vous savez comment le problème naissent dans certains croyants. Sasa mnajua namna gani shida zinazotoka. Oh, mniombeye kukazi bana nikoroga. Oh, travail prie. Ça ne marche pas. Vérifiez, est-ce que tu n'es pas en train de payer ce que tu as dit? Uwe unajichunguza, je Hauko unalipwa kwa vyenye ulisemaka. Il y a des moments où les médecins poursuivent les infirmiers. Daktari anafuatilia kwa wanganga. Les directeurs poursuivent les enseignants. Hao kiongozi anafuata walimu. Les ingénieurs poursuivent les maçons. Wa engineer wanafuata wafundi. C'est pour des causes qui sont inconnues. Kwa sababu zisizojulikana. Mais qui sont connues. Lakini na zinajulikana tu. Donc lui, yeye, il a appris ce que tu avais dit. Alijua vyenye ulisema. Il t'a haï. Akakuchukia. Mais il ne te l'a pas dit. Lakini hakubikwambia. Il commence maintenant à te pourchasser. Anaanza sasa kukufuatilia. Toi tu vas aller dire que c'est le diable qui le monte contre toi. Wewe utaenda sema kwamba ni shetani amekuinukia. Alors que c'est la conséquence de ta langue. Kumbe ni malipo ya ile kusema sema. Et quand on va lui amener l'information, il va dire quoi? Na wakati watamletea habari atasema nini? Il va dire qu'est-ce que tu l'as dit? Atasema fulana alisema nini? Eh, lui d'ailleurs il est pire. Kwanza yeye ni mubaya sana. Il a dit ça. Akasema hivi, akasema hiki na akasema hiki. Mkubwa atakasirika. Je l'ai engagé. Mimi nilikuweka kwa kazi. Je l'ai aimé.
nikampenda. Quand il manquait son salaire, je lui faisais même des avances sur salaire. Alipokuwa hayapokea, nilitangulia kumkopesha. Hier, il avait une fête, j'ai fait tout pour que ça passe bien. Juzi au jana alikuwa na karamu kwake nilijitahidi kwamba yake ilipe s'asseoir parmi les autres me critiquer moi. Anaweza kuikala mu watu na kuanza kuniteta mimi. On va voir. Mbo ndafuatana naye sasa. Chef. Mkubwa. Il avance sur salaire. Nikopeshe kwa mshahara wangu. Il y a pas d'argent. Hakuna pesa kwenye sanduku. Chef. Bossi. Un congé de 2 jours. Nipe pumziko wa siku mbili. Il y a trop de travaux dans les bureaux. Kazi ni nyingi katika ofisi, ha? On ne donne pas de congé dans ce mois de juillet. Katika huu mwezi hatutapana pumziko. Chef. Bwana. Je me sens malade. Asikia ugonjwa. Bon, le congé prévoit 2 jours. Après 2 jours, tu dois amener l'ordonnance médicale tout. Bon, likizo ni kwa juma mbili, juma wakati huo unapaswa leta habari. Chef. Mkubwa. Je vais rentrer à 13h. Nataka nirudi saa 7. Personne ne va rester en train de faire ton travail. Tu vas rentrer aux heures. Hakuna mwenye atabaki akifanya kazi yako. Timiza kazi yako. Tu vas voir le cœur du chef changer. Utaona moyo wa mkubwa ukibadilika kwako. Tu vas commencer à croire que ce sont les démons. Utaanza wazia kwamba unafuatiwa na shetani. Mais c'est dans toi que les démons avaient commencé, non? Pepo, sizilianziaka ndani yako. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja wapendwa. Ne critique pas ton chef. Usitete mkubwa wako. Si tu ne peux pas aller le voir tout droit. Kama hauwezi kumwendea moja kwa moja. Alors ferme la bouche, va au genou. Funga kinywa yako uende omba Mungu. Courbons nos têtes. Tuinamishe vichwa. Prions. Tuombe Mungu. Il est 9h moins 5. Inakuwa donc nous avons 10 minutes de prière. Si Mungu. Vous n'avez pas des urgences, ne font pas toujours courir quand on dit courbons nos têtes. Vous allez risquer de rater la dernière prière qui des fois contient des bénédictions et une force. À moins que vous soyez rassurés que le prédicateur est en retard. Mais chaque fois que vous on dit nous voulons prier, c'est l'intercession pour que tout ce qu'on a appris dans la parole soit manifeste dans nos vies. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas rentrer si vous avez des urgences. Comme déjà qui doivent commencer le travail à X moment. Mais quand on termine par exemple à 9h moins, lakini wakati tunaweza maliza kama vile saa 3 kosa, il faut toujours être un peu patient. Muwe munakuwa wavumilivu. La dernière prière a une force. Mahubiri yana nguvu. Parce qu'elle te permet de te consacrer de nouveau. Elle te permet de te repentir encore là où tu es. Na yanakuruhusu utubu kwenye uko. Elle te permet de demander encore la capacité spirituelle. Yanakuruhusu uombe nguvu. Elle amène les serviteurs à prononcer des bénédictions sur tes dossiers. Na kuna watumishi watatamka baraka kwa kesi zako. Alors ne néglige rien. Sasa msiwe na dharau. Courbons nos têtes. Tunamishe vichwa. Oh Dieu. Mungu wetu. Père céleste. Baba wa mbinguni. Nous voulons faire la première partie. Tunataka fanya sehemu ya kwanza. C'est-à-dire demander pardon à Dieu. Kuomba Mungu huruma. Pour tout ce que nous avons parlé qui ne correspond pas à sa volonté. Kwa yote yenye tulisema ambayo hayalinganishi hayapatani na Ukristo. C'est l'heure de demander pardon. Ni muda wa kuomba msamaha. Oh Dieu. Eh Mungu. J'ai critiqué cet homme. Niliteta mtu yule. J'ai critiqué cette femme. Niliteta mwanamke yule. J'ai parlé à frère. Nilisema vibaya wa ndugu. J'ai parlé à mal à mon époux. Nilisema vibaya mume wangu. J'ai parlé à mal à mon époux. Nilisema vibaya mke wangu. J'ai l'habitude de répondre mal. Nazoyaka kujibia vibaya. Des fois ma bouche n'est pas pleine de paroles de bénédiction. Mara kinywa changu akitamkake maneno ya baraka. Quand on me demande, je ne sais pas bien répondre. Ninapoulizwa sijibi yake vizuri. Demandez pardon à Dieu. Tuombe Mungu msamaha. Demandez à Dieu de vous pardonner pour des paroles vaines que vous avez dites.
ndivyo mliotamka. Il y a des paroles qui ne sont même pas importantes. Kuna maneno ambayo si ya maana. Des blagues. Mizaha. Faire rire les gens. Kuchekesha watu. Jurer. Kulapalapa. Des choses bizarres. Mambo ya ovyo. Jésus ne parlait pas de paroles vaines. Yesu yeye hakuwa anasemaka maneno ya ovyo. Chaque parole qu'il disait était importante. Kila neno alilotamka Yesu lilikuwa la maana. Je veux être comme Jésus. Nataka niwe sawa Yesu. Louia. Amina. Seigneur, Mungu, habitue-moi à méditer avant de parler. Nizoeleshe kutafakari mbele niseme. Chaque fois que je veux parler, kila ninapotaka sema, je ne veux pas dire des choses que je regretterai pourquoi je les ai dites. Sitaki nifikie kujuta kwa maneno nitakayokuwa nimesema. Ne laisse pas ma langue être la gêne. Usi ache ulimi wangu ufikie kuwa jehanamu. Être le venin dans l'église de Dieu. Ulimi wangu usiwe sumu mkanisa la Mungu. Être un volant gouvernail cassé. Bali iwe isiwe usukani iliyovunjika. Ne laisse pas ma langue être le venin. Usiruhusu ulimi wangu uwe sumu. Être le couteau. Iwe kisu. Pour couper les relations entre mes frères et mes sœurs. Kata usi alléluia alléluia. Ya kukata usi. Parce que dans Jérémie on dit que venin tuez-les par la langue. Et katika Yeremia inasemwa kwamba tumuue kwa ndimi zetu. Donc la langue est un couteau. Kwamba ulimi pia ni kisu. Qu'elle ne soit pas utilisée par l'ennemi. Isitumikishwe na adui. Oh Jésus. Et Yesu. Donnez-moi la façon de parler. Nipe namna ya kuongea. À l'égard de mon époux. Wakati ninaposema na mke wangu. Mon bon épouse. Au mme wangu. Mes enfants. Watoto wangu, mes frères, mes sœurs, ndugu na dada zangu, donnez-moi une langue salée. Nipe ulimi unaokolea chumvi. Oh Jésus. Eh Yesu. Oh Dieu. Mungu. Dieu hait la mauvaise langue. Mungu anachukia ulimi mbaya. Dans le livre des Proverbes. Katika kitabu cha Mezali. Dit Seigneur. Anasema Bwana. Si Dieu avait bloqué mes choses. Kama Mungu ali Zuya mambo. Il a bloqué mes choses, il a troublé mes choses. Ali vuruga mambo yangu. À cause de ce que j'avais dit. Sababu ya yenye nilikuwa nilisema. Il a détruit mes bénédictions. Ali haribu baraka. Il a détruit mes choses. Aka haribu yaliyo yangu. À cause de mon mensonge. Sababu ya uongo. Faux témoignage. Ushuhuda wa uongo. Injure, querelle, calomnie. Kutukanana na kutetana. Je vais rétablir ma relation avec toi, oh Dieu. Nataka nirudishe uhusiano wangu na wewe Mungu. Pour que je reçoive encore la bénédiction. Ili kwamba nipokee sasa baraka. Guéris-moi. Uniponye. Débloque mes problèmes. Débloque mes problèmes. Fungua shida yangu. Apporte-moi des bénédictions. Ni mwangie baraka. Que tous les péchés entrés par ma langue. Zambi zote zilizopitia ulimi wangu. Soient pardonnés. Zisamehewe. Et que je sois bénéficiaire de la bénédiction. Na mimi niwe wa kupokea baraka. Oh Dieu. Eh Mungu. Prions. Tuombe Mungu. 5 minutes de prière. Kwa dakika hata 5 za maombi. Après nous allons prier la fin. Kisha tutaomba maombi ya mwisho. Priez pour la fin. Tutaombea mwisho. Et vous serez dehors. Na mutakuwa nje. 5 minutes de prière. Dakika 5 tu za maombi. Et donnez un vœu à Dieu. Na upatie Mungu naziri. Ma langue. Ulimi wangu. Ma langue. Ulimi wangu. Ne servira jamais au péché. Haitatumikia dhambi. Draguer les femmes. Tongoza wanawake. Faire rire. Kuchekesha watu. Critiquer mes sœurs. Kuteta dada zangu. Non. Apana. Répondre mal à mon époux. Kujibia bibi yangu mubaya. Mon épouse. Bwana yangu. Non. Apana. Oh Dieu. Eh Mungu. On y va. Twende sasa tukaombe. Oh. Mungu. Je veux que les chants nous chantent, Seigneur, c'est la minute, Seigneur, c'est la seconde, Seigneur, c'est la minute. Waimbaji watuimbie ule wimbo unasema kwamba ni wakati. Lentement. Ni muda ule. Par les instruments et peu de voix pendant que nous prions. Wakati vyombo vya muziki vinavyolia tuzame katika maombi. Lentement, lentement. Vinavyopiga pole pole. Sisi. On y va. Tuelekee maombi. Oh. Oh Seigneur Jésus. Amen. On y va. Et tu bwana. Seigneur, c'est la seconde de me bénir. Ni dakika ni sekunde ya kunibariki. Oh Jésus. Sema na Mungu wako. Alléluia. Seigneur, c'est la seconde.
Seigneur, c'est la seconde de mes bénis. L'antenne pas compris. C'est la minute, Seigneur, c'est la minute. Papa, c'est la minute. Seigneur, c'est la seconde. C'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la minute. C'est la minute. Les autres, vous priez, laissez les chantres chanter seulement. Vous priez. Wengine musiimbe, mwache wanaoimba waimbe. Ninyi muingie katika maombi. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, semeni na Mungu wenu. De me sauver. Acheni wimbo kwa waimbaji. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. De me sauver. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine de me guérir. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine de me guérir, de me bénir. Seigneur, c'est les mois. Seigneur, c'est les mois. Seigneur, c'est les mois. Seigneur, scellez-moi. Seigneur, scellez-moi. Seigneur, scellez-moi. De me sauver. Seigneur, scellez-moi. Seigneur, scellez-moi. Seigneur, scellez-moi. De me sauver. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me préserver. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est de me préserver, de me préserver. Seigneur, c'est la saison. C'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Me préserver, Seigneur, c'est la saison. C'est la saison. Oh, de près, de me préserver. Seigneur, c'est l'année. Oui, c'est l'année. C'est l'année de nous sauver. Seigneur, c'est l'année. C'est l'année, Seigneur, c'est l'année de nous sauver. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, Seigneur, c'est l'année de nous sauver. Seigneur, c'est la période. Seigneur, c'est la période. Seigneur, c'est la période. Oh, Seigneur, c'est la période. Alléluia. Nous visiter. Seigneur, c'est la période. C'est la période. C'est la période. C'est la période. De nous visiter. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est les jours. Seigneur, c'est les jours. C'est les jours. Papa, c'est les jours. Ah, nous sauver. Oui, Seigneur, c'est les jours. Seigneur,
Akikwisha takaswa kinywa Bibu akasema unitume bwana Mungu Yesu Takasa vinywa Bwana 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 Bwana